Ça, c'est un exemple d'application qui nous permet d'enregistrer des informations. Pour le moment, on ne va pas enregistrer, c'est-à-dire enregistrer des données dans une base de données. Mais si on regarde bien, dans une application, c'est toujours intéressant de voir les choses assez bien et propres, etc., bien placées, etc. Alors, dans cette vidéo avec JB2005, je vais te montrer une façon, peut-être vous avez déjà comment faire avec le langage. Plus précisément la bibliothèque Kinter. Mais quand même, pour les abonnés, pour ceux qui ne savent pas, installez-vous convenablement, vous êtes bien sur la page de JB995. On va te montrer comment faire ça d'une façon assez simple et très explicative. Alors générique, c'est parti. De retour les gars, ici présent on a notre fenêtre, n'est-ce pas, information sur le téléphone, etc. Mais si on regarde bien de ce côté, vous allez voir quelque chose qui les sépare, c'est ça. Alors on a utilisé ce qu'on appelle un frame. Alors frame ou forme, etc. Donc c'est la même chose, forme, on va dire que voilà notre forme, c'est un tableau. Donc quand on voit tableau, on voit grille, alors grille, on voit colonne et ligne. Alors JB995, est-ce que tu peux approfondir, etc. Justement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons directement depuis une application sur le nom de Paint pour mieux comprendre. Regarde bien, d'abord, regarde bien notre application. Ici, on a une forme et de l'autre côté, on a une autre forme, n'est-ce pas? Voilà, ne vous inquiétez pas. Dites-vous, tout est facile, ok? C'est parti. Alors, regarde bien. On va représenter notre fenêtre, n'est-ce pas? Ici, notre fenêtre de gestion pour mieux gérer les entrées de nos téléphones, n'est-ce pas? Alors, ici présent, on a notre fenêtre. Bon, ici, pour mieux comprendre, on va faire ça comme ça. On va dire fenêtre, n'est-ce pas? Ça, c'est notre fenêtre, n'est-ce pas, les gars? Parfait. Parfait. Maintenant, si on regarde de ce côté encore, vous allez voir ici, information sur le téléphone. On avait dit, ça, c'est notre forme. Voilà, pour différencier, pour faire comprendre à l'utilisateur, il est bien dans la partie là où il faut entrer les informations sur le téléphone. Donc, parfait. Maintenant, ici, on va faire pareil. On va dire, OK, bon, on va créer une autre forme. Parfait. Boum. Et là, on a une autre forme, n'est-ce pas, les gars? Mais JB295, tu nous as parlé d'une façon, une manière de bien faire les choses afin de bien placer nos widgets, etc. Alors, comment tu vas faire? Alors, justement, regarde bien. Ici, on parle de tableau, grille, forme, etc. Donc, si on nous parle de tableau, alors, s'il y a tableau, il y a des cellules. Alors, quand on parle de cellules, c'est de colonnes et des lignes. Et voilà. Donc, eh bien, alors, c'est parfait, les gars. Donc, justement, on va faire plusieurs trucs afin que, voilà, pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, ici, on va tracer un peu. Regardez bien. Boum, parfait. Voilà. Et pour terminer, on va tracer une autre ligne. Parfait. Maintenant, ici, on va faire pareil. Boum, 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 boum. Parfait. Maintenant, si je vous dis, chaque case représente une cellule. Mais par contre, il y a deux, trois petits trucs. OK. Pour mieux comprendre encore, on va approfondir. Regarde bien pour mieux comprendre. Ici, je vais dire OK, ça commence toujours à partir de 0. Au niveau de colonne, on va dire 0, n'est-ce pas? Parfait. Ici encore, on va dire 1. Parfait. Ici, voilà. Ici, on va dire 2. Parfait. Ici, on va dire 3. Parfait. Maintenant, on va faire pareil. Boum, 0, boum, 1, boum, 2, boum, 3, boum. Alors, parfait. Maintenant, je peux t'expliquer. Mais par contre, il y a un petit truc. Par exemple, imaginons si vous êtes là pour la première fois sur la chaîne et tu ne connais pas Python. Donc, c'est injuste quand même. Je ne peux pas paraître comme ça. Non, écoutez-moi bien. Python, c'est un langage de programmation qui nous permet de coder pas mal de logiciels. Alors, pour programmer en Python, il te faut des bases. Mais avec JB2005, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Écoutez-moi bien. Il te faut juste un IDE. Un IDE, c'est encore une autre application qui nous permet de coder plusieurs logiciels dans un langage de programmation. Ça dépend. Peut-être Java, Python, PHP et autres, etc. Mais aujourd'hui, on va utiliser comme IDE PyCharm. Donc, pour l'installation, c'est facile. Donc, il y a pas mal de vidéos qui vous expliquent pour les débutants. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire ça. On va plutôt directement rentrer dans le vif du sujet. Bon, parfait. Imaginons, tu viens d'installer votre IDE, etc. Donc, pour créer un projet, c'est facile dans File, etc. C'est rien de nouveau. Et voilà, compliqué, les gars. Maintenant, pour créer une classe en Python. Voilà, c'est facile encore. Vous allez directement depuis votre projet et puis boum, vous allez faire New et puis Python File. Vous voyez ici, New Python File. Alors, tout est correct, tout est bon pour vous, n'est-ce pas? Maintenant, tu es un débutant. Ne vous inquiétez pas, les gens qui connaissent déjà un peu, je vais revenir, ne vous inquiétez pas, même pour les débutants. Alors, ici, on va utiliser une bibliothèque sur le nom de Kinter.
Voilà, donc pour manipuler un peu des widgets, etc. Comme tout à l'heure, vous avez vu, donc les boules, je vous ai parlé des formes, etc. Donc pour mieux faire ces genres de choses, il faut importer une bibliothèque sous le nom de Kinter. Vous voyez, ici, il n'y a rien de difficile. Donc vous faites import Kinter, boom, et c'est parfait. Maintenant, notre fenêtre, comment on peut le créer exactement? Ben, c'est facile encore. On va déclarer une variable, et cette variable, on va dire, ok, bon, vas-y, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on va faire appel avec vous. Ok, fenêtre, vous allez déclarer une variable, ça pas la peine de parce que JB95 il a mis fenêtre et vous vous dites c'est obligatoire, d'accord? Vous pouvez dire route, fenêtre, ça dépend. Donc ça dépend tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, tu importes votre bibliothèque de Kinter et ensuite fenêtre est égal à TK, parfait. Maintenant au niveau du titre, c'est parfait. Fenêtre, point, title, etc. Ça dépend de vous. Maintenant, avant, nous on avait l'habitude, c'est-à-dire de placer notre fenêtre, c'est-à-dire on allait utiliser fenêtre.géométrie, ensuite l'axe des x et l'axe des y, et ensuite on allait placer. Bon, on se dit, bon, vas-y, aujourd'hui on va pas faire les choses ainsi, on va faire les choses autrement. Regarde bien pour mieux comprendre. Donc là, on va utiliser une forme, notre forme frame, n'est-ce pas? Donc, pour bien faire les choses de façon responsive. Donc, regarde bien. Ici, on va dire, ok, on va faire appel avec notre frame. On va dire frame est égal à kinter.frame. On pouvait dire forme, c'est juste une variable pour représenter notre frame. Ok? On pouvait dire forme, etc. ou autre, etc. Ici, on dit frame est égal à kinter. Comme je vous avais dit dès le début, dès le départ, l'importation de kinter est très importante. Tu vois? On dit kinter.frame et puis fenêtre. Alors, pourquoi fenêtre? Parce que sans oublier, notre fenêtre au début, on l'avait dit, c'était très important pour nous afin que voilà tout ce qui va se passer autour de notre fenêtre. Ok, parfait. Ici, on dit fenêtre est égal à TK. Ensuite, on va déclarer une autre variable pour mieux manipuler nos widgets à l'intérieur de notre forme. Mais pour cela, on va prendre en valeur notre fenêtre. Donc, kinter.frame, fenêtre. Et puis frame.pack. Alors ici, bon, c'est peut-être si des petits détails pour le moment. Faites pas attention. D'accord? Faites pas attention. Mais l'importance aujourd'hui, c'est de comprendre de comment placer vos les boules ou vos entrées ou plutôt vos widgets. Ok, parfait. Maintenant, regardons bien. Ici, on va regarder bien. Ici, comme tout à l'heure, on avait combien de formes? On avait deux formes. Une forme pour représenter nos données. Et l'autre forme pour afficher nos données. Alors, quand on parle de représenter nos données, c'est-à-dire c'est là l'utilisateur va entrer les informations par rapport avec le téléphone, ou plutôt les téléphones. Vous voyez le cas? Et l'autre forme pour nous, ça va être là, en fait, à chaque fois l'utilisateur va entrer les informations. Donc, ces données-là vont s'afficher directement depuis notre table. Ouais, donc là, il nous faut deux formes. Mais pour le moment, pour mieux faire la chose, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déclarer une variable. Alors, cette variable-là, on va dire, OK, info téléphone frame. Vous voyez, donc ne vous inquiétez pas. Le lien, je vais mettre ça pour vous dans la description. OK, il n'y a pas de problème. Il suffit de comprendre. Petit à petit, ok, regarde bien. On dit que info téléphone frame kinter label frame. Alors, ici frame, donc pour faire comprendre que voilà, on parle de notre frame d'ici là, donc on va dire texte information sur le téléphone. Alors, ça, c'est des petits détails pour agrandir un peu, font, etc. Il y a des vidéos sur la chaîne où j'ai déjà parlé, etc. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, ici, au niveau de grille, exactement. Ici, vous allez voir que ici, on se dit que voilà, on veut placer notre info téléphone frame, c'est-à-dire notre frame qui va représenter les informations sur le téléphone dans notre cellule, mais à partir de la ligne 0 et du colonne 0. Vous voyez le truc? Donc parfait. Alors là, justement, on va entrer au plus profond dans nos détails. Parfait. On va relancer, on va réexécuter notre logiciel et vous allez voir. Ici, on parle de voilà, info téléphone frame, n'est-ce pas? Regarde bien. Ici, on vient de faire la même chose. Ici, on se dit, on va le placer à côté, n'est-ce pas? On place ça à côté. Regarde bien, au niveau. Par exemple, ça représente. Alors, cette forme-là représente l'information et voilà, l'utilisateur va entrer par rapport avec nos téléphones, n'est-ce pas? On se dit que voilà. Ici, on veut deux formes. Une forme pour représenter et l'autre forme pour afficher, n'est-ce pas? Alors, si on veut rester dans la limite de gris, etc., vous allez voir quelque chose assez intéressant. On se dit. Tout à l'heure, on a dit que voilà, on veut deux formes, n'est-ce pas? L'autre forme, on veut que voilà, c'est la partie de représentation et l'autre, l'affichage, n'est-ce pas? Alors ici, on se dit, bon, vas-y, on va le placer sur la gauche. Alors si c'est sur la gauche, on dit, ok, voilà. Ici, notre cellule, ça va être comme ça. C'est pour cela, vous allez voir, tout ici, la partie de forme, c'est comme si c'était ici. Par exemple, forme, c'est-à-dire information sur nos téléphones, colonne 0 et ligne 0. Vous voyez? Donc ça là, c'est ça. Par exemple, si je fais ça là comme ça. Par exemple, ici, voilà, ici, parfait. Non, voilà, ici, parfait. Regarde bien, tout ça là,
Ouais, ça c'est notre forme, n'est-ce pas? Ça c'est notre forme, information sur le téléphone. Donc si on veut le représenter, si on regarde bien, ici on dit que voilà, row ligne 0, colonne 0. Donc regarde bien. Donc si on regarde ici, donc c'est comme si on avait 0, c'est-à-dire colonne 0 et ligne 0. Ouais, alors c'est ça qu'on va faire. Maintenant, regarde au niveau de Mac, téléphone, etc. Alors c'est fini, c'est-à-dire là maintenant, croyez-moi, donc au niveau, tu sais pas comment placer volleyball, etc. Tu vas réfléchir, là c'est fini. Avec cette méthode-là, croyez-moi, ça va être facile pour toi et ça va te permettre d'aller encore plus vite au niveau de vos projets. Donc, croyez-moi, c'est très très efficace, etc. Donc, regarde bien. Maintenant, si on regarde encore une fois ici au niveau de Mac téléphone, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut placer notre Mac téléphone tout à gauche, n'est-ce pas? Tout à gauche. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ici, on va dire OK, on va mettre ça comme ça là. Ici, on va dire LBL Mac, Tinder, regarde, Tinder, Liball, pour faire comprendre, c'est un Liball, information. Téléphone frame. Pourquoi? Parce que les informations qu'on va rentrer, c'est depuis notre frame. Est-ce que vous voyez le truc? C'est depuis notre frame téléphone. Alors, on pouvait dire frame ici, hein? Non, 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 non. Mais les informations qu'on veut, c'est à l'intérieur de notre info téléphone frame. C'est pour cela, ici, après les boules, on va mettre info téléphone frame et non frame. Par exemple, ici, on a mis frame, c'est parce que on voulait placer notre frame directement à l'intérieur de notre variable frame générale qu'on avait déclarée ici. Vous voyez? Donc c'est parfait. Donc maintenant on se dit, bon vas-y, LBL Mac, Intel, les boules téléphone frame, TX, marque du téléphone, etc. Mais pour nous, l'importance dans cette vidéo, c'est de comprendre la partie grille. OK? Donc on se dit, on veut placer notre marque du téléphone de ce côté sur la gauche, n'est-ce pas? C'est-à-dire ici, c'est-à-dire 0, 0. Maintenant, pour mieux comprendre, si on se dit, bon, on veut placer un sixième élément à côté de notre Mac du téléphone. Vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, si je fais ça comme ça, par exemple ici, pour t'expliquer mieux, pour vous expliquer mieux, exemple, on va faire un contrôle C. Parfait, on va descendre en bas. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien pour vous dans la description. Comme ça, vous pouvez télécharger les gammes. OK? Maintenant, on va dire sixième élément. D'accord? Pour mieux comprendre. On va dire sixième élément. 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 Parfait. Maintenant, ici, on avait dit quoi, les gars? On veut placer un autre élément à côté de notre marque du téléphone, n'est-ce pas? Ici. Là, ici, si on regarde bien, on voit, on est au niveau de notre colonne 1. Donc, ici, la ligne toujours, la ligne 0. Vous voyez ici? La ligne 0 et colonne 1. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Vous allez voir ici, on va juste changer cette variable-là. Au lieu de LBL marque, on va dire élément. Moins 6, voilà, élément 6, parfait, on va faire ça exactement, CTRL C, et puis CTRL V. Maintenant, on va faire pareil aussi avec les entrées, CTRL V, CTRL V. Maintenant, on avait dit quoi? Si on regardait bien, on avait dit que voilà, colonne 1 et ligne 0. Donc, on va faire pareil, on avait dit colonne 1, parfait, ligne 0. Vous voyez ici? Maintenant, si on exécute, avant même qu'on rentre ici, on va mettre ça en commentaire. Donc, avant, attendez, justement. Parfait. Si on exécute, vous allez voir les gars. Parfait. Et vous voyez ici, ça va directement placer notre sixième élément à côté. Vous voyez? Maintenant, si on veut mettre les entrées, n'est-ce pas? Si on veut mettre les entrées, on va faire pareil. Alors, pour mettre les entrées, vous allez faire ainsi. Donc, on se dit, OK, bon, vas-y. Maintenant, on va mettre l'entrée, c'est-à-dire là où l'utilisateur va entrer les données pour l'élément 6, ici. Donc, ici, c'est toujours colonne, vous voyez? C'est toujours colonne 1, mais c'est au niveau de ligne 1. La ligne 1. Donc, parfait. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va directement ici, encore une fois. Parfait. Donc, ici, au lieu de. Voilà, on va enlever la partie de commentaire. Parfait. Au lieu de on va regarder encore une fois. On avait dit c'est colonne 1, mais ligne 1. Ok, parfait. On va regarder ici, c'est row, colonne exactement. Et ligne 1. Parfait. Colonne 1. Parfait, boum. Et là, on va exécuter et vous allez voir. Parfait. Vous voyez le truc? Comme je vous avais dit, c'est terminé, les casse-têtes. Tu sais
plus comment placer. Non, c'est terminé. Et écoutez-moi, les gars, on va pas faire une vidéo qui va durer énormément. Je vais mettre ça pour vous, le lien depuis notre compte GitHub, etc. Avec l'image autour, avec l'image ici. Ou bien vous pouvez faire l'image, hein, c'est pas la peine de mettre l'image, etc. Ok? Vous pouvez faire l'image vous-même et de comprendre, de manipuler. Alors, tous ces genres de choses, ça, je l'ai déjà fait. Je vais mettre des liens pour vous, etc. Les couleurs, BG, foreground, etc. C'était juste pour vous montrer avec la partie de frame, avec la partie de frame, si tu arrives à manipuler la partie de frame, tu vas développer des applications tellement extraordinaires. À la fin, tu vas dire, ah oui, ah ouais, quel génie. Bah, de toute façon, tu es un génie. Hein. Donc, s'il y a pas de trucs, tu vas te compliquer les choses, etc. Non, tu es un génie. Donc, justement, c'est juste pour te montrer avec la partie de frame. Donc, c'est juste deux, trois petits trucs de comprendre et vous allez voir par la suite. Bon, les gars, c'était votre gars JB995. J'espère que cette vidéo va être une vidéo spéciale. J'espère que voilà, tout est dit. Donc, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Donc, même si vous voyez que de temps en temps, je suis pas là et tout, etc., mais n'hésitez pas, les gars, à partager l'amour autour de vous. C'est très important. Prenez soin de vous. Faites très, très attention. C'était votre gars JB995. À la prochaine, on se dit pour d'autres vidéos. Ainsi, pareil. Ciao, ciao.